On est bon, on a tout. Presque à l'heure. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Vendredi soir, 21h. Nous sommes le 4 août. C'est écrit à gauche. Hein, un peu plus bas, là, par ici. Là. Là, là, même pour être précis. Voilà. C'est un sacré boulot. On va donc encore un peu bricoler ce soir, avant une petite pause de 2 semaines, parce que le week-end prochain je pars en vacances et que le week-end d'après je reviens de vacances, donc voilà. Il y aura 2 semaines de pause. Salut Jerfy. Comment? Et du coup, j'avais envie de la faire un peu cool ce soir. Après tout, on a réussi à dézinguer cette histoire de réseau la semaine dernière au bout de 2 heures, alors que je pensais que ça allait prendre 20 minutes. Donc on n'avait pas fait les network policy. Avant qu'on attaque les network policy sur le cluster, je voulais revenir vite fait sur Proxmox, que je vais démarrer d'ailleurs. Il est où mon téléphone? Il éteint actuellement le Gaillard, donc Wacon oblige. Remember, hein, c'est un des tout premiers lives qu'on a fait. On était encore sur YouTube à l'époque. Oula. Il est dispo sur YouTube d'ailleurs, toujours. Hein. Alors, elle est où l'application? Elle est où l'application? Waconlan, voilà. Pimousse 2, réveillé. Oui, la petite diode s'est allumée. C'est parfait, c'est rigolo. Hop. Parce que j'ai réinstallé le Proxmox qu'on avait cassé en essayant de renommer la bestiole. Cette fois, je lui ai donné le bon nom dès le départ. Je me suis occupé. Alors, je me suis pas réoccupé du compte avec l'authentification pour Terraform, ça je le ferai plus tard. Mais je me suis concentré sur le stockage. Parce que la dernière fois, on avait été un petit peu vite pour dézinguer la partie LVM Syn qui est déployée par défaut. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir utiliser le format QCOW2 pour les machines virtuelles. Ça demande d'avoir un stockage classique qui n'est pas déployé par Proxmox quand on le déploie tout seul sur un seul nœud. Donc, je voulais revoir cet aspect-là. Et je voulais vous le partager. Alors, j'attends un petit peu. Est-ce que... Il répond, donc normalement l'interface répond. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. On va passer sur la desktop. Voilà. Oui, ça c'est pareil, j'ai même pas refait le script. Ok, il fallait que je fasse ça pour qu'il saute. Tiens, elle a démarré. Ah, c'est pas le bon. Ça, c'est le vieux, ça. Mince. Bon, c'est pas grave, c'est le même mot de passe. Alors, ah oui, j'ai oublié, le zoom. Comme je suis pas en avance, je l'ai pas fait avant. Pouf. Ah, ça va mieux. Voilà. Donc, Pimousse 2, le retour.
Donc par défaut, quand on déploie un Proxmox, bah si, tiens, d'ailleurs, on peut le voir sur l'ancien, je crois. Sur Pimous. Ah, merde. Sur Pimous 1, si je vais dans le stockage. Voilà, par défaut, on a local et local LVM. Et ce local LVM, si on va dans la configuration dans Storage, on voit que c'est du LVM Sin. Et après, il faut aller là-dedans et là, il est là. Donc, il est configuré d'une certaine façon avec un découpage des métadonnées et des données. La première fois que j'ai essayé de manipuler ça à la main, j'ai pas fait attention. Du coup, je me suis retrouvé, j'ai flingué le truc, hein, tout simplement. Donc je l'avais refait et donc oulala, oui non ça c'est normal. Et donc voilà, par défaut on a que ce truc-là qui du coup met les machines virtuelles dans un format qui est pas ultra portable. Bonsoir. Bonsoir Or, comment ça va? Et du coup, Or que je ne peux pas venir voir au bureau en ce moment parce qu'on a ni. Le RER c'est compliqué parce qu'en ce moment il enchaîne les incidents avec les chutes d'arbres qui font qu'il a plus d'électricité la moitié du temps, et le métro qui est carrément fermé, donc c'est un bonheur. Donc Proxmox, je disais. Donc on a un local par défaut, on a donc le local qui est fait pour le système, hein, c'est la partition fait une centaine de gigas grosso modo, et le reste est fait pour les machines virtuelles, mais ouais je sais, mais je prends trop de place moi. comment? Et donc l'idée c'était de créer, plutôt que d'avoir le LVM Sin, c'était de créer ben, un volume classique avec un point de montage dans lequel je mets toutes les machines virtuelles, et où je peux les mettre dans le format que je veux. Et donc ça n'a pas été simple, il a fallu que je commence par aller, il me semble que c'est là-dedans, dans le storage, où il a fallu que je remove le local LVM. Donc, en fait, c'est en allant dans l'équivalent qui est... c'est où? Donc là, il a fallu que je fasse ça et que je le remove. Mais ensuite, il apparaissait encore dans la partie LVM Sin là, donc en fait, il a fallu supprimer ça. Et une fois que j'ai supprimé ça, j'ai pas réussi à recréer le volume standard. Si je créais le LVM, il allait me refaire un volume LVM pour du LVM, du Proxmox LVM, donc pas le format portable que je voulais. Du coup, je suis repassé à la main en ligne de commande. Je l'ai fait à l'ancienne avec les commandes LVCreate. Et après, j'ai déclaré un directory. Donc ça va être sur Pimous 2, où j'ai été créé un... Même pas. D'accord. Juste j'ai créé le local LVM, et puis après j'ai dit coucou, tu me le montes là-dedans. Ah ouais, non, je l'ai directement créé dans le FSTAB, donc je me suis pas emmerdé. D'accord. Mais j'ai vraiment fait ça? Parce qu'à un moment donné, j'ai créé le volume. Ça, c'est le volume groupe. Pourquoi il ne le voit pas là? Là, on a bien le disque de la VM que j'ai testé en Debian 12. Je ne l'ai pas fait via le menu du coup. Ok, d'accord. À l'arrache, je dirais pas jusque-là. Disons que c'est un peu plus brut de décoffrage. Mais du coup, quand tu vas dans la partie storage. Ah bah si, je l'ai fait là en fait, tu fais add directory, donc je l'ai fait là en fait, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas déclaré le directory dans la partie directory de Proxmox, je l'ai déclaré directement ici. Donc en termes de montage, bonsoir Swindler. Donc en termes de montage, c'est directement le système qui le fait, il n'y a pas de prise en charge du montage du volume par Proxmox.
C'est un peu plus brut de décoffrage, c'est pas non plus à l'arrache. Disons que c'est un peu à l'ancienne, dans le sens où bah, j'ai l'habitude de manipuler le VM sur les machines virtuelles depuis maintenant. Bah, 2015, hein, cherche pas. Hein. Et donc ça, voilà. Donc je l'ai fait comme je savais faire, et puis bah, après, il suffit de le déclarer là, de dire qu'il prend les images de disque ou de container si jamais on veut retester du LXC à un moment donné. Et du coup, il l'a pris en charge, et j'ai pu faire, j'ai fait trois tests. Toujours avec Debian 12, le premier, je crois que je suis même pas arrivé au bout, je sais plus pourquoi. Bah non, justement, le premier, je me suis rendu compte que il m'avait recréé un LVM. J'ai été passé par LVM et du coup, ça marchait pas, j'avais pas le format que je voulais. Donc je l'ai sulfaté et j'ai recommencé. J'ai fait le volume bien comme il fallait. Et cette fois après, j'ai fait un premier test en voulant faire un démarrage de la VM en UEFI. Et c'était très bizarre parce que quand on crée une VM comme ça avec l'UEFI, donc l'image, on prend ça. Pouf, 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 c'est un Linux. Graphics card, je prends quoi? Virtio. Ensuite, je prends le Q35. Et là, j'ai voulu mettre OVMF UEFI. Et là, il fait ajouter le disque UEFI. Et il me demandait le stockage, etc. Je lui dis, ben, je vais pas ajouter un disque dédié. Quand on crée un disque sur la machine, la première partition, il y a l'UEFI dedans. Elle est faite pour l'UEFI et ça, il va le détecter. Donc pour moi, c'était pas. Je voyais pas ça nécessaire. Donc je l'ai fait comme ça. J'ai créé la machine. Il a démarré sur l'ISO. Il m'a fait l'installation. Il est arrivé au bout. Il a redémarré. J'avais le système qui allait bien. Et je me suis amusé à l'éteindre. Parce qu'à ce moment-là, j'ai rajouté ma routine pour pour le Wake OnLAN. Et quand j'ai redémarré, la machine ne redémarrait pas. Elle redémarrait en boucle parce qu'elle me disait qu'elle ne trouvait pas la partie UEFI. Et j'ai dit, bon, ok, ça veut dire qu'il faudra que je fasse des tests plus tard. J'ai lâché l'affaire. J'ai crash, j'ai destroy la VM. Je l'ai recréée en mettant du CBIOS à l'ancienne, entre guillemets. Et là, je suis arrivé au bout de l'installation. J'ai vu que j'avais du réseau. Ça, tout fonctionnait bien et je peux la redé. Enfin, en tout cas, je l'avais redémarré la semaine dernière et ça marchait. Donc voilà. Voilà. Donc a priori, elle démarre. Elle démarre et l'agent, il fonctionne bien parce que j'ai bien les adresses IP qui apparaissent dans l'interface une fois que la machine est démarrée. Ça met un petit peu de temps à arriver ou peut-être il faut même que je fasse. Voilà. J'ai bien l'adresse IP. J'ai même l'adresse IPv6. L'IPv6 étant pour l'instant complètement filtré chez moi, donc de toute façon, en tout cas, c'est le cas par défaut avec le firewall de la Livebox. Donc je n'ai absolument rien de joignable en IPv6 chez moi. Un jour peut-être, on se penchera sur le sujet. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Du coup. Donc voilà, ça c'était mes petites expérimentations sur la réinstallation de Proxmox cette semaine. Et donc ça va pouvoir nous servir dans le futur quand on voudra faire des installations qui ne nécessitent pas Kubernetes ou justement pour essayer de faire des choses qu'on a l'habitude de voir dans Kubernetes mais sans Kubernetes. Ça fait partie des choses que j'ai prévu de faire, que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir justement essayer de tordre les installations par défaut, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire quand on tombe sur un truc qui est ultra pratique, où les mecs documentent que des installations classiques, où il faut qu'on se fasse soi-même la conteneurisation et le déploiement dans un environnement conteneur. Les mecs te disent ouais c'est super, on a fait une image Docker et ils ne proposent rien d'autre pour installer le logiciel. Donc le challenge va être d'essayer de déployer ces logiciels-là hors Kubernetes, juste pour montrer que c'est encore possible. Ce qui n'est pas toujours évident.
Voilà, donc du coup, je vais pas me formaliser plus que ça. Hop, on va couper la bécane parce qu'on n'en a pas besoin. Du coup, je vais fermer l'onglet. Le Pimousse 1 qui est pas à jour, lui, c'est pas la peine de... Hop. Et du coup, on va faire... Alors, c'est sur le node. Il faut que je fasse shutdown parce qu'on n'en a pas besoin pour ce soir. Oui. Ok, il est éteint. Hop, donc voilà. Du coup, que je reprenne un petit peu le bordel de la dernière fois. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? Ah non, je l'avais pas. D'accord, je l'avais pas. On n'est pas dit. Non, parce que c'était pas censé faire partie d'un épisode dédié. Donc, les Network Policies. Les Network Policies, pour ceux qui connaîtraient et qui ne comprennent pas bien le réseau, et manifestement dans Kubernetes, c'est encore mon cas, hein, il y a des morceaux qui manquent, vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais nous avons donc installé une container network interface qui s'appelle Calico, qui va nous permettre de faire des choses un peu plus avancées dans Kubernetes. Pourquoi? Parce que par défaut, la plupart des couches réseau qu'on déploie dans du Kubernetes autorisent toutes les applications du cluster à communiquer entre elles, qu'elles soient dans le même namespace ou pas. Pour rappel, hop, et on zoome. J'ai beaucoup de choses. Enfin, j'ai plusieurs choses dans mon Kubernetes. Pas beaucoup pour l'instant, parce que j'en ai basiquement trois. J'ai un FreeRSS, un Giti et un Smokeping. Et techniquement, je peux m'exécuter dans n'importe quelle application et aller taper chez le voisin. Par exemple, si je rentre dans Smokeping, je peux aller interroger. Le service Giti. Alors je crois que c'est le port 3000, si je dis pas de bêtises. Il me répond à OK. Alors si je fais un OK, donc j'ai bien index.js alert load statique. OK, oui, bon là il râle un petit peu. Mais on voit bien, voilà, j'ai la version 1.22, donc l'application répond bien. Donc voilà. Donc depuis Smokeping, je peux interroger mon Giti et inversement. Je peux aussi aller interroger la base de données dans laquelle, bon, pour l'instant, le MariaDB, dans lequel pour l'instant, il n'y a que. Comment? Il n'y a que la base de FreshRSS, mais si je commençais à installer des choses un petit peu plus avancées, voire énervées, comme un Nextcloud par exemple, où là on commencerait à avoir des notions un peu plus dangereuses d'utilisateurs, etc., ben on pourrait éventuellement se retrouver avec une application qui en attaque une autre si jamais elle se fait éclater, surtout quand elles sont exposées. Donc l'idée, ça va être de restreindre tout ça. Et les Network Policies sont là pour ça. Les Network Policies sont basiquement des descriptions de règles de firewall entre services Kubernetes en entrée ou en sortie, ou les deux, en fonction de ce qu'on a besoin. Le truc le plus basique étant qu'on va filtrer dans un namespace ce qui a le droit de communiquer avec les applications du namespace. Donc typiquement, si je dis à... Comment? Si je dis à Giti que personne n'a le droit, bah normalement, là, ici, dans Smokeping, je n'aurais plus le droit de... évidemment, je me suis encore trompé de, voilà, de raccourci, parce que le contrôle O, il est pris, il faudra que je le change un jour. Si je rajoute une network policy dans le namespace Giti, que je ne vois pas en raccourci, donc tant pis, on va faire ça. Voilà. Et donc... Si je mets pas... Voilà, je n'ai pas de network policies pour l'instant, mais on voit que j'ai les ingress, etc.
Mais si je rajoute une règle pour dire de bloquer, normalement ça ne fonctionnera plus. Et ça ne fonctionnera plus dans le sens où ça ne répondra plus. Ce ne sera pas un bloc, donc on ne se prendra pas une erreur de connexion, un reset ou quoi que ce soit, ce sera vraiment un drop. Donc du coup, il n'y aura pas de réponse. Du coup, on va commencer à tester ça. Allons-y. Donc là, c'est un modèle un petit peu ingress to, ingress from. Soit on a des blocs, soit on a des namespaces. Et je pense que je vais prendre ça. La partie namespace selector, en termes de modèle, ce sera très bien. Donc, on va faire ça. On va se copier. On a juste besoin de cette partie-là. Encore qu'il y a une. Je crois qu'il y a un modèle qui dit on va tout bloquer par défaut. Voilà, ça c'est bien ça. Alors c'est quoi ça? Default deny all ingress traffic. Ouais, bon, on va faire ça. On va créer cette règle-là, puis on va voir ce qui se passe. Donc on va se mettre dans Git, on va aller dans 4OS Platform, Kubernetes, puis on va aller se mettre dans Git. Network policy. On va rigoler. Ah. Oh bah la première, là, celle-là, je m'attends au résultat. Je m'attends au résultat. Donc le défaut dit on ne fait rien. Et donc là. Alors non, je me suis dit. Hop. Comme je le force sur les autres, je le force sur celui-là aussi. Ah oui, pour info, cette semaine aussi, je suis passé au 1.26.7 de Kubernetes parce qu'il est sorti entre-temps. Donc du coup, j'en ai profité pour faire la mise à jour mineure du cluster. Ça a pris 2 minutes. C'est choquant tellement c'est simple. C'est 4OS en même temps, hein. Forcément, tout comme tout est dans le même binaire, on n'a qu'un seul truc à faire, un seul service à gérer. C'est sûr que quand si on avait un Kubernetes un petit peu plus vanilla avec chaque morceau dans son coin, ouais, ça serait pas la même salade. Donc. Ah. Ok, donc là on a ça. Et donc normalement. Ouais, voilà, mais au lieu d'avoir un seul binaire qui fait. Je sais plus, le binaire 4S, il est vraiment minuscule. Après. Et là, vous voyez, ça répond plus. Il y a quand même un effet de bord à tout ça. Et c'est que là, donc là, ça ne marche plus de smoke ping à Giti, mais ça veut dire que ça ne marche plus depuis aucun namespace. Or, quand on essaye de joindre une application, on passe par une autre application dans notre cluster, qui est l'ingress contrôleur. Et donc là, si j'essaye d'accéder à l'application depuis l'extérieur, ben ça ne marche plus.
Attends qu'on te fasse un ticket incident. Alors, je n'ai plus d'outils de ticketing. À une époque, je m'étais installé. J'avais découvert l'outil. Alors, comment il s'appelle celui-là? Il y avait un vieux truc. Non. En fait, OVH utilisait à un moment donné, il l'utilise peut-être encore, mais je me souviens plus de l'URL. Un outil qui s'appelle FlySpray. Et voilà, donc là je prends une 504, parfait. Pitié, non. Non, pas notre outil de ticket, j'en ai pas besoin. Je m'étais installé à l'époque où je faisais beaucoup de. Ouais, FlySpray, c'est pas. Ça sent pas le récent et c'est pas récent non plus. Il y a 10 ans, il était encore en release candidate, ils étaient même pas encore sortis en version 1.0, et je crois que c'est jamais arrivé. Enfin, je me suis désintéressé du truc. Mais à une époque, on faisait beaucoup de choses dans l'équipe Call of Duty. Océane, pour ceux qui ont connu la R&D Orange. Ah. Alors non, mais bon, j'imagine qu'il y a des outils comme ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc FlySpray. Et comme on faisait énormément de choses sur la partie hébergement de notre équipe Call of Duty, je traquais à peu près tout ce qu'on avait à faire et tout ce qu'on avait envie de faire aussi dans un FlySpray. Maintenant, tout le monde utiliserait des issues GitLab, GitHub, ce que vous voulez, voire. En entreprise maintenant, tout le monde ne jure que par Jira. Je sais pas comment on en est arrivé là. Ceci dit, on a tous accepté qu'on aurait du JavaScript dans les navigateurs. Donc bon. Et que ce serait l'alpha et l'oméga et que maintenant on ferait même des applications de bureau avec ça. Donc à un moment donné, il y a des guerres comme ça où on peut laisser tomber très vite parce qu'en fait, c'est plus la peine de se battre. Du coup, on va reprendre notre network policy. Puis on va en créer une deuxième en fait. Parce que vu que ça ne marche plus, mais il faut bien qu'on récupère un peu l'accès à notre ingress contrôleur. Donc enfin, il faut que notre ingress contrôleur puisse contacter l'application. Donc eh ben, il va falloir qu'on la crée. Alors du coup, on va virer le pod selector. Et on va reprendre de la documentation. Hop, il y en avait une là. Quoique non, le pod selector, je crois qu'il faut qu'on le laisse. Mais on va mettre un ingress from avec le namespace selector. Alors, je vais prendre. Quoique j'ai juste besoin de ça. Oui, voilà. Hop. Alors, c'est à mettre où? C'est à mettre dans spec, parfait. Hop. Alors non, ça, je déteste ça. Voilà, merci, t'es gentil. Et puis on va refaire l'indentation comme on a envie. Hop. Il faudrait que je mette les. Il faudrait que je change mes réglages de. Namespace selector, match label. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Pas de ticketing, pas de problème. Ah, ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Si seulement il n'y avait que ça. Le fait est qu'actuellement chez moi j'ai que ça. Si je réinstalle du monitoring et de l'alerting, à un moment donné, bon. Il y a des choses qui vont commencer à se revoir. Donc, alors, du coup, tac tac tac, tac tac tac, match label. Alors lui, il part sur un names. Ah mais oui, non, mais c'est ça. Match label. Donc ça veut dire que là, on va refaire un apply.
là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Require fill pod selector. Ok, donc c'est bien ça, je suis obligé de le garder. Bah c'est pas grave, on va le copier. Oh mon dieu. Alors non. Pitié. Merci. Hop. Je dis que ça concerne tous les pods du namespace, Gitti. Mais j'autorise cette fois le namespace trafic à y accéder. Mais je dis trafic, mais j'ai mis un sélecteur. C'est-à-dire qu'il faut que le label que j'ai sélectionné dans ma règle de network policy soit sur le namespace. Alors, du coup. J'ai le label. Parfait. Impeccable. Donc du coup, j'ai pas m'embêter. Hein, si j'ai bien fait mon. J'ai bien mis le name. Parfait. Donc voilà. Alors, je préfère vérifier parce que j'ai déjà eu le tour où quand on crée un namespace, par défaut, il n'y a que le kubernetes.io metadata.name qui apparaît. Donc la première fois que j'ai eu à manipuler des network policies, j'ai perdu. Un bon moment, et c'est un certain Jérôme Petazzoni qui m'a mis le nez sur mon incompétence très vite, en pleine formation, quand je lui ai expliqué mon problème, et il m'a sorti la solution là comme ça en 20 secondes. Et là, j'avais un peu les boules. Donc là, maintenant, je fais attention. Donc là, si on tente le smoke ping, lui, il a toujours pas accès. Mais par contre, si tout s'est bien passé. Là, à la place du timeout, j'ai mon application. Non, non, mais Jérôme a été parfait dans. C'était exactement le. C'était. Il avait exactement la bonne réflexion. C'est-à-dire que j'ai. Un truc aussi con que ça, en le lisant alors que je l'ai eu sous les yeux pendant plus d'une demi-journée, et que je trouvais pas la solution de pourquoi ça marchait pas. Il m'a mis le doigt sur le fait que bah oui, non, je n'avais pas de label sur mon namespace, j'avais pas de label name sur mon namespace, pour découvrir qu'en fait, en l'occurrence, la règle que j'avais créée, j'avais copiée à partir d'une autre règle du même cluster, mais qui se basait sur des namespaces qui étaient créés par un code Terraform. On part un peu dans les. Voilà, dans les arcanes. Et du coup, le code Terraform qui me crée le namespace me le crée avec le label en question. Et ça, je ne le savais pas. Enfin, en tout cas, je l'avais, j'avais jamais percuté parce que j'avais jamais eu à toucher à cette partie-là du code Terraform en question. Donc, je me suis retrouvé voilà, avec ce morceau-là qui me manquait. J'ai pas percuté que c'était ce truc-là. Et quand je lui ai posé la question, en 20 secondes, il me dit, mais est-ce que t'as vérifié tes labels? Et là, bon, bah, ça se voyait pas parce que j'étais pas sur le JT avec la caméra, mais la petite goutte a perlé. Après, je me suis dit, je suis vraiment un connard. Donc voilà. Donc voilà les network policy. Les network policy, ça vous permet de filtrer les applications qui ont le droit d'accéder. Qui ont le droit enfin, ça permet de filtrer les sources. Donc on a vu dans la documentation que ça peut concerner. Moi, je me suis basé sur quelque chose qui était interne au cluster. Ça peut se baser sur des IP qui sont internes ou externes. Avec même manifestement, on peut sélectionner des plages très larges et donner des exceptions à des sous-réseaux de cette plage. On peut directement sélectionner certains pods en particulier, donc on peut dire que certains pods seulement. Je suis vraiment un connard, ça va faire un même. Non, mais oui, mais ça, parce que je le dis déjà ben, souvent, même au boulot, et ça m'est même déjà arrivé de le dire en réunion avec certains clients. Bon, pas tous, hein. Généralement ceux avec qui j'ai quand même un certain historique et un passé assez fourni. C'est sûr que je vais éviter de sortir ça la première fois en réunion avec des gens que je ne connais pas. Je l'ai même déjà sorti en anglais, hein, donc c'est pour dire. Et
Et donc voilà, donc les ingress rules, les network policy, vous pouvez filtrer le trafic entrant, le trafic sortant. Si on veut faire son libriste intégriste qui veut pas de communication avec Google, on peut créer des règles qui interdisent les communications vers des IP de Google. Par exemple. Alors c'est que au niveau des applications, attention, c'est pas au niveau des composants de Kubernetes directement, à part pour ceux qui seraient déployés dans Kubesystem, ou si vous voulez appliquer ça dans Kubesystem. C'est à vos risques et périls, je conseille pas. Mais c'est faisable. Et vous pouvez aussi préciser le port sur lequel votre règle s'applique. Donc à savoir que par défaut, comme je disais tout à l'heure, tout est grand ouvert. Et dès qu'on crée une règle, bah en fait ça ferme tout sauf pour la règle. Attention au rule egress, ne pas oublier d'ajouter le DNS. Ah oui, c'est-à-dire que si tu bloques le trafic sortant, mais que tu ne laisses pas le trafic interne au cluster, ou au moins vers le core DNS ou Kube DNS en fonction de l'installation que vous avez, voire peut-être le resolver custom pour ceux qui sont un peu masochistes, oui, effectivement, oui. Oui, ça pourrait causer quelques difficultés, effectivement. Surtout quand c'est un outil genre Fresh RSS qui va chercher des flux RSS sur toute la planète. Effectivement, s'il n'y a pas de domaine, c'est un peu compliqué. Oui, bah de base, les règles ingress, c'est pareil, ça bloque tout le trafic sauf celui que t'autorise. En l'occurrence, la première règle qu'on met par défaut, comme il n'y a pas de sélecteur il n'y a pas de sélecteur from, en fait, par défaut, ça bloque tout. C'est le genre de règle qu'on pourrait intégrer par défaut dans un modèle de création de namespace, par exemple, pour s'assurer qu'on n'ait vraiment rien qui communique avec le namespace. Quand on a un gros cluster qui est vraiment partagé entre beaucoup d'applications, beaucoup d'équipes, etc., et qu'on n'a pas envie que ces équipes se voient, parmi les éléments de contrôle qu'on a, il y a celui du réseau et on peut bloquer par défaut le trafic entrant. Le trafic sortant, faut vraiment, avant de commencer à se pencher dessus, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, faut connaître exactement ses flux applicatifs. C'est quelque chose de beaucoup plus tendu à mettre en place, je trouve. Faut vraiment savoir, avec le flux sortant, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Le flux entrant, c'est un petit peu plus facile, je trouve. Parce que ça bloque quasiment jamais les applications, sauf celles qui ont vocation à communiquer avec d'autres. En cours, je te jure que c'est relou. Ah, Jerfy, toi, t'es en train d'expérimenter les règles Ygress et du coup, tu souffres un peu. Ben, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce qu'en fonction des applications, on ne sait absolument pas ce qu'elles font. Enfin, en tout cas, pas facilement. Et du coup, ça me surprend pas. Après, l'avantage, c'est qu'il y a des bases communes. Là, on parlait du DNS. C'est facile d'appliquer une règle par défaut. Si vraiment tu veux pas être embêté, la règle d'ygress par défaut, tu pourrais te dire je la pousse via un outil comme Kiverno, par exemple. Enfin, en tout cas, je pense que ça doit être faisable avec Kiverno. Où tu crées une règle qui dit dans tous les namespaces qui ne sont pas. Alors après, peut-être que tu sélectionnes un profil de namespace, par exemple, pour séparer le namespace kubesystem, par exemple. Avec Cilium et leur UI, c'est plus simple pour voir ce qui sort. Ah oui. C'est pas faux. Je peux pas remonter un petit peu le chat? Ouais, voilà. Voilà, le chat, j'ai. Il commence à arriver derrière le micro, j'ai un peu. Je passe mon temps à regarder derrière le micro, c'est un peu dégueulasse. Donc. Ouais, voilà. Alors, donc du coup, oui, effectivement, avec Cilium, tu peux voir ce qui passe dans un premier temps et bloquer après derrière. C'est un peu moins brut de décoffrage.
que si tu devais le faire, pas au doigt mouillé, mais potentiellement aller inspecter à un autre niveau, soit en dehors de Kubernetes au niveau du nœud avec un gros TCP d'homme de cochon, en croisant les doigts pour identifier ce qui correspond à tes pods. Soit un truc encore au-dessus, pour peu que tu forces un proxy squid quelque part, pour filtrer tout ce qui sort de ta bécane, enfin tout ce qui sort de ton réseau, etc. Auquel cas, est-ce que tu as encore besoin avec un proxy squid, est-ce que tu as encore besoin de faire de l'egress au niveau de ton cluster? Je suis pas sûr. Ah, Kiverno, ça a l'avantage de pouvoir mettre des politiques que tu vas pouvoir appliquer sur tout ou partie par défaut de ton cluster, sans que tu aies besoin de t'en préoccuper au départ. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te dire, là, typiquement, cette règle, la règle de l'ingress, par exemple, je vais être obligé de recréer la même dans toutes les applications que je vais vouloir filtrer et qui ont besoin d'être accédées de l'extérieur, donc via l'ingress. Et là, par défaut, dans ce que je fais pour l'instant, bah, je vais être obligé d'avoir le manifeste à la main dans chaque dossier de mes applications. Ici. Donc là, je l'ai fait dans Gitty, mais il va falloir que je le rajoute dans. En MetaLB, on a laissé tomber, mais MariaDB, par exemple. MariaDB, c'est le genre de truc où bah, je veux que les seules applis qui accèdent à MariaDB sont celles qui ont besoin de MariaDB. Mon Gitty n'a pas besoin de MariaDB, je veux pas qu'il y ait accès. Donc ça va sauter. Le SmokePing n'a pas besoin de MariaDB, il va sauter. Mais il n'aura pas besoin de l'ingress non plus, donc il n'y en aura pas non plus dans celui-là. Donc je vais. Ça, c'est quelque chose où je réfléchirai peut-être dans le futur pour le mettre en place. Au fur et à mesure que tu rajoutes des applications, tu peux éventuellement te dire, je vais rajouter un label ou une annotation quelconque pour dire, rajoute-moi la notation ingress contrôleur ou pas, par exemple. Entre autres. Après, bon voilà, Kiverno, c'est un moteur de politique à appliquer. Les politiques peuvent prendre tout n'importe quelle forme. Donc ça fait partie des trousses à outils. Quand on commence à avoir un gros cluster et qu'on a pas mal d'applications, et qu'on a envie d'éviter de la duplication de code dans chaque projet par défaut, et qu'on sait qu'on va appliquer la même chose. Enfin, typiquement, je pense au cluster d'un des clients, on a quasiment 200. Et on approche des 200. Ouais, je crois qu'on a peut-être dépassé les 200 sites web dessus. Bah, par défaut, dans chaque namespace de site web, et bah, on a 4 network policy qui correspondent aux 3 ou 4 ingress contrôleurs, je sais plus. Ouais. Non, il y a 3 règles. Je sais plus lire. Non, il y en a 4, voilà. Il y a la communication depuis Kubesystem, la communication des deux ingress contrôleurs publics et celui du privé. Donc voilà, donc il y a 4 règles d'ingress par défaut qui sont déployées dans chaque projet. C'est exactement les mêmes, il y a juste le namespace qui change, puisque c'est pas le même namespace, mais c'est exactement les mêmes règles. Donc en fait, plutôt que de se casser les burnes à avoir 200 fois le même manifeste dans le dépôt Git, bah on pourrait dire, avec un Kiverno, on met ce jeu de règles par défaut. Pour toutes les applications qui vont être joignables de l'extérieur, enfin de l'extérieur du cluster, et du coup elles sont définies à un seul endroit, et c'est un outil qui va aller l'appliquer partout où il y a besoin, sans qu'on ait besoin d'intervenir à la main. Parce que là, typiquement, le jour où on a besoin de faire un changement, par exemple, on laisse tomber l'ingress par défaut qui est basé sur Nginx, pour mettre quelque chose que Zwindler préférera, qui serait un trafic, par exemple, parce que je sais qu'il n'aime pas Nginx, il n'a pas totalement tort, c'est que bah, on va être obligé de repasser sur les 200 namespaces, de modifier les manifestes et de refaire des livraisons sur toutes les applications. Alors ça peut s'industrialiser avec du Python. Ça reste beaucoup plus lourd que d'aller le modifier à un endroit et d'attendre. Voilà, tout simplement. Donc, Kiverno, c'est vraiment un outil particulièrement puissant qui fera potentiellement partie de l'installation à terme, pour plein de raisons.
Ce sera pas pour tout de suite. J'ai envie de tester d'autres trucs avant, mais ceci dit, bah, typiquement, ces histoires de network policy avec pour l'ingress, c'est quelque chose que je testerai peut-être après la rentrée. Parce que là, de toute façon, on va être. Ouais, je vais être. Comme je dis, la semaine prochaine, je pars en vacances. Dans 2 semaines, je rentre de vacances. Au niveau du calendrier, là, on est quoi? Oui. Donc là, je pars. Là, je rentre. Ouais, donc voilà, ce sera stream de rentrée le 25 août, là, pour ceux qui font la semaine de 4 jours. Et. Kiverno et Policy Reporter. Oui, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça, effectivement, le Policy Reporter, c'est. Ça permet de contrôler que tout se passe bien. Ouais, Trivi, ça passera parce que. Bah, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le tester. Alors, très surprenant, on ne peut pas exécuter Trivi dans un WSL V1. Du coup, j'avais été obligé d'aller l'installer sur le master. C'est comme ça que j'avais vu qu'il y avait. Que j'avais une quantité de failles de sécu sur l'image de FreshRSS qui était proprement affreuse. Alors non, je l'ai plus. Oui, parce que je l'ai. Ok. Alors non. Oui, je sais, mais c'est de ma faute, hein. Je suis complètement fautif. C'est parce que j'ai toujours pas refait l'installation de mon. Comment? De mon Windows 10, qui est toujours un LTSC de 2000. C'est du 18.09 en dessous. Yolé! Ouais, il faudrait peut-être que je le mette à jour, le Trivi. Du coup. Évidemment. Hop là. Ok, d'accord, il y a beaucoup trop de trucs. Voilà. Hop, arme 64. Du coup. Hop. On récupère, on vérifie ce qu'il y a dedans. Oula, oula. Merci. Voilà, alors tar XFZ Trivi et je veux juste Trivi. Ça doit être comme ça. Trivi Operator, ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Require one argument, alors évidemment. Je pense que ça va être violent, mais Oula, oui, alors est-ce qu'il faut. Voilà, ok. Et du coup, le Trivi Operator derrière, il va faire du scan à intervalles réguliers, c'est ça? Et après, on a un dashboard ou un truc comme ça pour un. Ou c'est. Ouais. Making Security Report accessible through Kubernetes API. Ouais, d'accord. Donc c'est pas encore. On n'en est pas encore à avoir un dashboard. Ah oui, il faut se faire un dashboard avec un autre. D'accord. Un autre machin. Ok.
Donc ouais, le WSL1, bah alors le WSL1, il va plus servir si longtemps que ça. Parce que à la suite d'une. Ouf! Ok. À la suite. D'accord, ouais. À la suite d'une discussion qui s'était faite un peu. Pas par-dessus la jambe, mais à moitié pour la rigolade, à moitié sérieux. Comment? J'ai prévu de. J'avais dit à mon beau-frère qui galérait un petit peu avec son PC. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais bon, en gros, je vais changer de PC dans pas si longtemps que ça, alors que j'avais prévu de le garder beaucoup plus longtemps, hein, celui-là au départ. Mais il va y avoir une translation, c'est-à-dire que mon beau-frère va refiler le PC à son neveu, moi je vais refiler ce PC-là, donc du coup sans le disque, mais lui il a déjà ses disques durs, à mon beau-frère, et du coup moi je vais me remonter une bécane, parce que j'ai le budget, donc je vais pas m'emmerder plus que ça, et bon là le budget il va être quand même x2 par rapport à la bécane. Par rapport à la bécane de 2019, mais parce qu'elle sera plus puissante aussi. Et du coup, celle-là, ben, j'ai déjà le Gaillard qui est là, qui a dedans la copie de l'installation de Windows 11 qui était venue avec le micro PC. Donc voilà, le nouveau PC qui arrivera normalement. Ce qui m'emmerde, c'est que j'aimerais bien avoir les infos sur les Radeon 7800, entre autres, qui m'intéressent. Et surtout la disponibilité pour pouvoir. Non, pas ce Threadripper, quand même pas. Mais DDR5, quand même, ça fait partie des raisons qui font que je rage très fort contre AMD en ce moment. C'est que autant les processeurs sont dans les prix. Les prix des processeurs ne me choquent pas. Ils sont bien plus cohérents que. En tout cas qu'à leur sortie, parce que AMD a déjà baissé les tarifs. Ils sont plus que compétents. Ils sont très intéressants. Ils mettent encore même. J'ai vu il y a. Bah, ce midi, j'ai vu un article qui comparait le 7800 X3D. Au core i9 13900K, je crois. Et je sais plus, il y a 80 watts de plus et 100 balles de plus chez Intel, et il est moins performant que le processeur AMD. Donc les processeurs sont très bons et très bien positionnés globalement. Il y a peut-être 2-3 conneries, mais bien positionnés en termes de tarifs. C'est le prix des cartes mères qui est complètement claqué. C'est 50 balles plus cher que chez Intel pour le coup. À prestations équivalentes, et moi ça me gave. Et tout le monde est en train de se palucher en te disant que l'entrée de gamme coûte 100 à 150 balles. Entrée de gamme. Il y a 15 ans, on achetait des cartes mères neuves à 50 balles et ça choquait personne et on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec ou presque et ça choquait pas. C'est là maintenant, on te dit que 100 balles c'est de l'entrée de gamme. Et pour ce tarif-là, tu vas te retrouver qu'avec deux slots et un PCI Express. Hein. C'est 22 slots de RAM et un PCI Express. Enfin, c'est complètement nul. Mais bon, c'est. Voilà. Et puis, bah, pour l'instant, au niveau des cartes graphiques, ils ont encore un gros trou. Sur les Radeon 7000, c'est soit 250, 260, 300 balles pour les tarifs les plus chers, pour la 7600, et après, on passe à la 7900 XT, et là, c'est 900 balles. Il y a 600 balles de différence entre les deux, c'est pareil, c'est complètement taré. Il n'y a rien entre les deux, et c'est censé sortir là au mois de. Normalement, la fin du mois d'août, début du mois de septembre, mais bon. C'est un peu ouf, quoi. Donc, du coup. Donc, ouais, donc Trivi Operator, d'accord, ouais, bon, après. Alors ceci dit, ce truc-là, donc typiquement par exemple pour FreshRSS, ça fera l'objet d'un futur épisode où je vais installer, c'est là-dedans, il me semble. Non, je l'ai pas mis là.
Je l'ai pas mis là, mais c'est pas bien. Ça va être... Alors, j'ai raté mon coup. Voilà. Drone et son runner pour Kubernetes. Drone, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que un outil d'intégration continue indépendant pour... et qu'on interface très souvent avec un Giti, justement. Alors non, j'ai pas... Qu'est-ce qui me fait? Je ne sais plus... qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Voilà, Drone.io. Donc voilà, l'idée c'est de déployer cet outil-là qu'on interface souvent avec Giti pour faire de l'intégration continue. Et ils ont un... Donc là on voit l'interface avec... avec Giti, il y a même moyen de... Faudrait que je revoie un peu, en l'occurrence, pour accéder à l'interface de drone, on peut utiliser Giti comme source d'authentification, ce qui fait que j'aurais pas besoin de gérer deux comptes. J'aurais le même compte pour accéder aux deux interfaces, en attendant dans un futur d'avoir une autre source externe, au hasard, hein, qui cloque. Et donc là, une quoi, Docker Runner, c'est pas ça? Non, c'est pas vraiment ça. SSH Runner, non. VM Runner, non. Mac Stadium Runner, non plus. Il y avait un... Or. Oh, oh, oh. Keycloak, c'est vraiment overkill. Alors, certes, mais 4OS, c'est overkill aussi chez moi, si tu veux. C'est juste qu'à un moment donné, si je pratique pas certains éléments, certains sujets, je patauge très fort, y compris au boulot, parce qu'il y a des sujets que je fais pas tous les jours, que je manipule pas tous les jours, l'authentification en faisant partie. Donc, ça a été la dernière fois que j'ai dû faire, que j'ai dû essayer de gérer une configuration SAML sur une application, j'ai ramé très fort. Et je pense qu'on m'aurait vu faire, pour des gens qui ont l'habitude, j'aurais pété un câble. Enfin, ils auraient pété un câble, mais... Alors ça c'est pour les secrets. Si je vais dans la doc, que je cherche Kubernetes, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Bon, ça c'est quand on fera les pipelines. C'est chiant qu'il n'y ait pas un entre-deux entre Keycloak qui est parfait pour un contexte multi-client et de l'authentification basique. Oh, ça doit exister quand même, non? Ça doit exister. Il n'y a pas des... Ça me dit quelque chose, mais alors mon cerveau, comme d'habitude, a décidé de passer le truc sous... Parce que je m'étais intéressé justement au système de SSO auto-hébergé. Mais...
Non, éventuellement Otelia, mais je sais pas si c'est plus léger que Keycloak dans l'histoire. Oui, alors après, s'il faut reparler de la partie Kubernetes, là c'est encore autre chose, mais. D'ailleurs, sur un 4OS, je ne sais pas si on peut plugger, si on peut plugger un airbag tiers. Ben justement, pour avoir de l'identité externe. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour, mais. Bon, là, c'est dédié pour des projets PHP. Oui, alors évidemment, ça, généralement, ce genre de truc, quand ça fait partie d'un écosystème. Donc, Jerfy, tu confirmes que. Ok, d'accord, tu peux plugger de l'OIDC sur 4OS. Ok. Bon, après, c'est pareil, à partir du moment où t'es tout seul à gérer. Ok, donc Dex, c'est du LDAP, a priori. Manifestement. Non, même pas. OpenID Connect, d'accord. Alors, l'article date de quand? L'année dernière, c'était un sandbox CNCF, d'accord. Quand je vois le nombre de projets qui reçoivent la SNCF. Ouais, mais alors du coup, si c'est aussi une passerelle, est-ce que c'est juste une passerelle Otelia, auquel cas il te faut une source tierce? Ou est-ce que tu peux. Ou est-ce que comme Keycloak, ça peut être autonome comme source d'authentification? Parce que moi j'irai pas plus loin, honnêtement, hein. Si j'installe un Keycloak, c'est vraiment juste, j'ai pas envie de. C'est juste pour avoir une identité que je peux brancher sur à peu près tout ce que je veux chez moi, et je cherche pas à avoir une source externe pour gérer les identités, parce que c'est que pour moi de toute façon. Ou au pire, pour 2-3 personnes grand maximum, et pas pour tout le monde, et pas tous les périmètres non plus. Bon. Ah, pour Dex, d'accord. Oui, bah donc c'est ça, en fait, tu rajoutes Dex, qui est plus ou moins comme un plugin, et puis après, derrière, il faut le brancher sur une source d'authentification. Ah oui, bah ça fait l'omelette complète. OpenID Connect, O2, LDAP, SAML 2.0, ouais, bon, bah voilà. Donc oui, ça me. Ok. Ouais, not all identity provider support request for refresh token. Ok, depending on the identity provider, user will have to repeat the authentication process. Ah. Les connecteurs pour Google, Bitbucket, d'accord. OO2, ah. Ok. Ah ouais, non mais Keycloak, c'est vraiment le. Bah nous on l'utilise hein, au boulot pour. Alors pour tout ce qui est encore de l'air link by net, et même j'ai cru qu'on a commencé à plugger des trucs liés à nos identités Accenture, mais pour faire la migration vers ces nouvelles identités. Et ouais, Keycloak, c'est vraiment. C'est vraiment un bonheur. Après, moi j'ai pas accès à tout, donc je suis juste utilisateur du service, c'est-à-dire que quand on me le demande, je passe par là pour me. Et quand je rentre mon adresse, bah, ça va me rediriger vers ma source d'identité. Donc ça va être soit ça passe par le compte Accenture, dans ce cas-là, on a le toute la routine basée chez bourrée chez Microsoft. Et de l'autre côté, on a notre compte historique Link by Net qui passe encore par notre ADFS local, entre guillemets. Et où là, j'ai encore. La YubiKey pour le comment, pour la double authentification. Donc voilà. Et donc ouais, il y a pas mal de choses.
Faisable, du coup. Intéressant à connaître. Après, dans la pratique, la plupart du temps, comme je travaillais avec des clusters de cloud providers, généralement, la partie identité, elle est gérée au niveau du cloud provider. Typiquement, là, je bosse énormément quasi exclusivement sur GCP. Et forcément, les clusters GKE, on n'a même pas à se poser la question de comment marche l'authentification. Du coup, le jour où ça marche plus, ça pose de vrais problèmes. Parce que quand on ne sait pas comment ça marche, on est vite perdu. Mais c'est complètement transparent pour nous. Et bon, c'est partie des intérêts du service, hein, managé. Donc ouais, du coup, qu'est-ce que. Hop, Il me semblait qu'il y avait un runner drone. Alors non, c'est pas ça. Install drone in your Kubernetes cluster, oui. Link it to your GitHub accounts. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Write a full pipeline to build, publish, test and deploy. Ouais. Leverage caching of layers to speed up building a image. Bon, ça. Mini K3S cluster to test Kubernetes relative to. Donc du coup. Oh la vache! C'est de la doc. Ah oui, d'accord, oui, non. On va peut-être aller chercher une page plus récente. Hein. Non, attends, ce que j'avais fait. Non, c'est bon, je peux virer ça. Bon, ça, c'est comment utiliser un pipeline classique, mais c'est pour de l'exécution classique, ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. C'est par rapport à. Drone Runner Cube, Drone Runner, bon bah a priori. Drone 1.6, d'accord, release procédure. Non, non plus. Non, bah non. Okay. Pas de documentation, c'est quoi l'option là? Non, ça c'est un pipeline. Mais si je veux avoir un truc qui me build mes images dans le cluster, comment je fais? Est-ce que c'est faisable? On va me dire que non. Bon, bref, il me semblait avoir lu le truc comme quoi c'était faisable. Donc je pars du principe que je peux le faire. Ce sera pas pour tout de suite, de toute façon, dans la liste des choses que j'ai envie de faire, il y a cette histoire de build d'image dans le cluster. Coin-coin. Le coin-coin? Non, sans déconner. Est-ce que c'est le coin-coin auquel je pense? L'unique! Incroyable. Donc je disais, ouais, il y a ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Que j'avais pas noté là-dedans, mais. Bon, je vais me noter quand même là. Le build des images, ça va être surtout pour faire le refresh de. Oui, c'est moi. Canard. Ça va être surtout pour faire le refresh de l'image de Fresh RSS, parce que les mecs, ils sont très. Qui font l'image Fresh RSS sur le Docker Hub, l'image, en fait, elle est rafraîchie que quand il y a une nouvelle version de Fresh RSS, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs mois entre deux images.
Et on a vu le rapport, hein. Il y a quand même besoin de faire quelque chose pour avoir une image un peu moins affreuse. Et encore, là, ça analyse l'image, mais ça se penche peut-être pas sur l'intégralité du code PHP qui est embarqué pour Fresh RSS. Donc bon. Je vais pas. Donc ouais, il y a ça, et puis. Et pour drone, ça va être à peu près tout ça. Et il y a un autre truc qui va être au programme. Et là, j'arrive pas à me décider. L'idée, c'est de forcer un petit peu plus. On avait évoqué, alors peut-être pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, ou un mois, enfin bref, dans les 2 ou 3 streams précédents, la notion de GitOps. Et pour ça, il y a 2 outils qui ressortent très très vite, très tôt. Ça va être soit Argo CD, soit Flux CD. Le concept est à peu près le même pour les deux, c'est-à-dire que on va aller renseigner ou mettre à jour un dépôt Git, et derrière, l'outil va analyser le contenu du dépôt et appliquer les éventuelles mises à jour de ce qu'on a mis dedans. Pourquoi je voudrais le mettre en place dans un premier temps? Ben, le fait est que à chaque fois que je fais une mise à jour d'une application et que ça implique un commit dans le dépôt Kubernetes K3S Platform, ben, en fait, c'est je mets à jour le manifeste, j'applique et après je commit. Et donc je fais ça à la main à chaque fois. La première étape, ça va être de se dire. J'arrête d'appliquer à la main. Déjà parce que ça m'est déjà arrivé de dire j'applique et j'oublie de faire le commit parce que je suis interrompu entre-temps. Ce qui fait que la fois d'après, et si en plus je change de PC, bah j'ai pas le dernier commit parce qu'il n'existe pas. Du coup, j'ai pas la bonne version. Enfin, il y a des choses qui, voilà, qui se passent pas bien. Quand c'est juste un numéro de version dans un fichier, c'est pas très grave. Quand ça commence à être des choses un peu plus précise ou un peu plus avancée quand je fais quand je fais une refonte, ce genre de choses. Genre le trafic, quand j'ai dû faire la mise à jour où j'avais rajouté je sais plus combien de custom resources qui n'étaient pas dispo, que j'avais pas créé et que du coup trafic ne trouvait pas et et du coup il démarrait pas. Bon, bah si j'avais oublié de commit la fois d'après, je me serais retrouvé avec des manifestes incomplets, ça aurait été bordélique. Là, l'idée, c'est de passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Git est la source de vérité de base, et c'est à partir de Git qu'on va exécuter une opération, et plus, enfin, à partir des informations qu'on a dans notre dépôt Git, qu'on fait l'opération, et pas l'opération et après enregistrée dans Git. C'est valable pour des déploiements dans Kubernetes. C'est quelque chose que je rêverais de pouvoir faire sur certains périmètres au travail avec du code Terraform. Malheureusement, ça demande une certaine gymnastique où, quand on a plusieurs équipes qui ont différents niveaux techniques, c'est difficile de mettre ça en place sans que ça cause des problèmes. En tout cas, pour aller jusqu'au bout de la démarche, de manière automatisée, sans plus d'intervention humaine que d'appliquer une modification au code. Donc voilà, l'idée, ce serait à partir de maintenant, le jour où je mets à jour. Par exemple, Smoke Ping que j'ai pas encore que j'ai pas encore configuré, enfin que j'ai pas mis à jour depuis longtemps. L'image, elle doit avoir aussi, on va se reconnecter au truc. Je suis à peu près sûr que ça va être une catastrophe aussi. Là. Si je fais un petit rapport trivi, ça va être un foutoir. Et comment? Donc l'image, elle date de pouf. Elle date d'un moment. Donc elle va avoir aussi pas mal de rouge, je pense. Et donc le jour où je la mets à jour, c'est je modifie le fichier Smoke Ping Deployment. Je change la version de l'image. Et plutôt que faire un kubectl apply. Oh, ça va encore. Ayant, je m'attendais à pire.
Je m'attendais à pire. Alors par contre, ça, je sais. Ouais, ça, je sais. Je crois savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, dans le config map, il y a du contenu de fichiers de configuration. C'est un peu dégueulasse. Le config map de SmokePing, c'est une poubelle. Vu comment il est formaté, je vais même pas vous le montrer. Bon, que je pourrais. Hein. Et parce que y a rien de confidentiel dans les fichiers. Mais donc l'idée, c'est que voilà, je mets à jour et plutôt que de faire un apply et ensuite faire un git commit, je fais juste un git commit. Et après, ça va être l'outil, que ce soit Argo CD ou Flux CD, qui va voir la modification et qui va faire lui-même la modification appliquer le changement dans Kubernetes. Et j'aimerais aussi mettre ça pour gérer notamment bah, les entrées DNS des applications dans un bout de code Terraform. Puisque la zone est hébergée chez OVH, elle est manipulable avec Terraform. Et plutôt que de faire des trucs à la main où à chaque fois je me connecte au manager, c'est chiant, c'est long, parce que le manager OVH, c'est une tannée. Si on a l'habitude de cracher sur le portail Azure, mais non. Il y a des choses, faut pas s'attendre à des miracles. Et du coup, donc j'aimerais avoir ce truc-là. Donc je modifie le code Terraform pour dire voilà, j'ai telle nouvelle application qui est hébergée dans le cluster avec tel domaine. Et le code Terraform va aller me créer l'entrée DNS pour aller se connecter, pour que je puisse me connecter ensuite sur l'application, et notamment aussi quel est son certificat. Donc ça se ferait automatiquement via Argo ou Flux CD. Donc j'arrive pas à me décider sur lequel serait plus intéressant que l'autre. Non, manifestement, on voit que j'ai déjà lu des choses dessus. C'est la doc, ça? Ok, d'accord. On va se noter ça. Je sais pas encore lequel des deux. Oui, Argo CD. Je sais pas lequel des deux je vais utiliser. J'arrive pas encore à me. Hop. On va se mettre les deux. Alors d'un côté, il m'a collé directement le. Ok, bon. Pourquoi pas. Plus. CNCF Graduated Project. Ouais, ok. Enfin voilà, l'idée c'est que il y a deux. Ah, joli. Il y a deux outils particulièrement populaire dans l'histoire, et peut-être qu'on testera les deux en fonction de ma motivation. Peut-être qu'on n'en testera qu'un et puis qu'on restera avec parce que c'est suffit. On verra. Je sais pas, j'ai pas encore de. Je me suis pas encore penché suffisamment sur les deux outils pour voir comment ils se configurent, pour savoir s'il y en a un des deux qui me plairait un peu plus dans la philosophie. Mais oui, ça va être de la lecture du week-end. Donc voilà, ça fera partie des choses qui seront implémentées, aussi bien pour expérimenter pour moi que pour expérimenter au cas où ce serait à mettre en place pour un client. Au choix, toujours pareil. Comme pour l'instant, j'ai beau rigoler ces derniers temps sur le fait que je fais tellement de bêtises, je vais tellement vite ou je lis tellement mal que je fais beaucoup de boulettes et que je vais arrêter l'informatique pour aller me mettre à la restauration de meubles anciens. Cherfi, si t'as des questions avec Argo CD, je suis là. Oh bah je t'emmerderai peut-être, hein, oui, clairement. Après, c'est soit je fais la découverte et l'installation en live, donc dans ce cas-là,
tu verras peut-être directement toutes les conneries que je vais faire. Soit, enfin, si t'es là d'ailleurs, mais soit je le testerai hors live et dans ce cas-là, effectivement, je te ferai peut-être chier sur Telegram. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Et comme pour mes histoires d'entry point où j'étais pas foutu de voir qu'il fallait mettre un P majuscule et pas un P minuscule après la réinstallation. Genre. Un peu. C'est le genre de truc qui aurait dû être évident. Ah ouais, ça c'est. Et je compte plus le nombre de fois tu m'as servi de canard en plastique aussi. Donc, et rien à voir avec Coin-Coin, hein. Canard en plastique. Pour ceux qui connaissent pas la théorie du canard en plastique. Hop, plastique. J'ai vu le truc. Méthode du canard en plastique. Voilà. Qui a son propre article Wikipédia, hein. Donc la méthode du canard en plastique. Ah, quoique, un canard examinant du code Java. Ah. Finalement, il y a peut-être un petit rapport. Hein, Donc, parce que Coin-Coin actuellement a accepté de servir de professeur à ma petite sœur pour lui faire découvrir le monde du développement logiciel et je sais pas si elle a été influencée ou pas, mais. Je sais pas non plus, je suis désolé. Souvent les images c'est du Creative Commons ou un truc comme ça, ouais, donc c'est qu'a priori. Mais je suis pas sûr que le canard en plastique comme ça soit une image déposée, donc. À la limite, si tu veux aller leur poser la question, tu leur dis, mais voilà. Mais oui, donc je disais, Coin-Coin a accepté de servir de professeur à ma sœur. Et elle a décidé de commencer par apprendre le Java. Bon, il y a des bizarreries comme ça dans l'univers. Surtout quand on n'a jamais fait de programmation avant, je pense qu'il y a des langages beaucoup plus simples. Après, dans le Java, il y a de bonnes choses et de bons concepts, hein, mais. Ah oui, hein, ça, clairement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle n'a pas été adoptée. Hein. Non, non, de ce côté-là, il n'y a aucun mystère. Hein. Mais oui, je. Bon. Et après, c'est étonnant qu'elle souffre un peu, mais oui. Elle avait le choix entre JavaScript, Java et Rust. Alors, je peux cracher énormément sur JavaScript, mais en termes de premier langage, je pense que ça aurait été peut-être plus adapté pour certains concepts. Ouais, voilà, Rust, oui, roter du sang. Oh la vache. Ouais, alors peut-être pas à ce point-là, mais oui, non, Rust, c'est. C'est particulièrement. Les fondamentaux. Oui, et puis en plus, j'ai vu, bah, elle m'a partagé le JavaScript. Comme le langage peut être interprété dans le navigateur directement, l'avantage, c'est qu'on peut avoir plein d'outils d'interface simplifiée pour expérimenter le code plus ou moins en direct sans avoir à installer le moindre outil. Là, on a vu bah, le Java, on est obligé de passer par une phase de compilation en plus, donc pour l'exécuter, ce qui fait que ça rend tout de suite le besoin en outillage un peu plus énervé.
Mais bon, après, le fait est que le langage Java en lui-même apporte, au-delà de, d'être capable de faire à peu près tout ce qu'on veut, bah, c'est surtout très verbeux le Java pour parfois des trucs très simples. Mais tous les concepts de programmation objet, c'est des concepts qu'une fois que tu les as intégrés, tu peux les réutiliser dans n'importe quel langage. Ce sera solide. Tu peux t'adapter après. De toute façon, quand tu commences à devenir expérimenté en développement, tu te limites pas à un langage. Genre, même toi, qui n'es pas développeur de nature, t'es passé par du Python, t'es passé par du Perl, t'es passé par du Go, et t'as été capable de t'en sortir à chaque fois, et d'apprendre le langage, et de t'en servir de manière plus ou moins propre. Et en fait, un bon développeur, bah, si on il se rend compte que... Bah, si le Java, c'est pas le langage le plus adapté pour un projet sur lequel tu dois bosser, bah, tu vas peut-être envisager un langage plus adapté. Tant que ça crache des erreurs, c'est que ça fonctionne. Alors, je sais bien qu'on est vendredi, mais quand même. Non, mais voilà, le Java permet de faire énormément de choses. Le langage a quand même continué d'évoluer, hein, en même temps, hein, aussi bien dans sa syntaxe que ses performances. Et du coup, quand on prend un Java récent, on n'est pas du tout perdu, en fait. Ouais, déjà, voilà. Donc au final, c'est un choix qui est quand même gonflé dans le sens où ça peut être du coup très dur de parce que ça t'oblige à faire beaucoup de choses et à apprendre beaucoup de choses dès le départ. Faire bien, mais effectivement, ça t'oblige à avoir des bonnes pratiques dès le début. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un truc. Que par exemple, il y avait un site What the Fuck JavaScript, où on voit des trucs particulièrement magiques avec le JavaScript. Cette semaine, j'ai découvert qu'il y avait un What the Fuck Python, parce que manifestement, dans Python, il y a aussi des bizarreries qui sont liées notamment au fonctionnement de l'interpréteur, qui peuvent donner des choses un peu étranges. Comment, je sais pas s'il y a un What the Fuck Java. Si on fait un What the Fuck JavaScript. Putain, c'est affreux. Voilà, on a des trucs qui traînent depuis. Exemple. Il y a ce genre de bizarrerie comme ça qu'on aurait du mal à voir. Alors, je sais même pas si c'est encore valide, parce que bon, là, ça date un petit peu. Je sais même pas si dans du JavaScript récent, enfin de l'ECMAScript, parce que là on est dans 2018, mais il y avait des choses qui étaient particulièrement violentes dans JavaScript pour lesquelles il fallait faire très attention. Alors, j'ai raté mon coup. Il y a un mec qui a fait un dépôt Git avec du What the fuck Python. Et du coup, là-dedans, on peut avoir des choses particulièrement. Particulièrement incroyables. Je crois que c'était là-dedans, comme ça. Non, c'était surtout ça. Ça, c'est magique, ça. Ça, c'est. Voilà. Les règles de coalition n'ont pas changé. Ah! Ah, bah c'est. Oui, voilà, il y a des choses comme ça. Bah, je sais pas, attends, c'était quoi le nom de l'outil? Ou même normalement, de toute façon. Non, pas ça. Ouais, voilà, on a une console, là. Non, mais t'es sérieux, tu m'emmerdes à ce point-là? Ah oui, vraiment, d'accord. Donc, c'est pas grave.
Donc là, on a bien testing. Ok. Et donc là, t s'appelle bien nul. Et si je reprends t plus égal ing, il me remet bien nulling. D'accord, donc ça marche toujours. Veuillez saisir, autoriser le collage. Ah oui, d'accord. Encore une fois, je lis pas jusqu'au bout. Mais c'est pas très grave. Au moins, le taper dans la console, ça montre que ça fonctionne. Est-ce que je peux zoomer la console? Oui, parce que c'est très petit pour vous et que, par défaut, le zoom ne concerne que la page web. Ah, donc voilà, donc, ouais, donc ça marche toujours en hein, 2023. Ouais, donc c'est un bonheur. C'est le genre de choses bon, dont on se passerait, mais. Voilà, donc Java. Donc après, on pourrait en discuter pendant beaucoup, très longtemps, mais. Oui, le fait est que ça pourrait être assez. Ouais. Oui, bon, ça après. Enfin, y en a une quantité comme ça. Oui, voilà, tu vois, par exemple, quand on parlait des 1 plus 2. Voilà, c'est ça. Là, on fait 10 sous forme de chaîne de caractères, moins 3, ça fait 7, mais 10 sous forme de caractères plus 3, ça fait 103. Voilà! si tu dis pas le égal pour les nuls check, oui, mais bon, certes, j'imagine que tu dois avoir des types de tests comme en Python par exemple, pour vérifier que si on a un contenu dans une variable, on dit que ça doit pas être none. Parce que le none, c'est le mot-clé pour dire qu'il n'y a rien. À partir du moment où tu t'attends à quelque chose, bon. Tu t'attends à ce que même les outils standards soient capables de manipuler tous les types, ou pas. Et dans ce cas-là, ça devrait juste sortir une erreur de type. De la même façon que tu les aurais en Python, même si le typage en Python n'est pas le truc le plus rigoureux du monde, comme en Java notamment, si tu essayes de comparer deux types qui sont pas identiques, bah tu te prendras une erreur de type, tu te prendras pas juste un truc comme quoi il va valider, tu vois. Il va pas valider si les trucs sont. Non mais sérieux! Enfin la vache! Voilà, je sais, on est quand même sur quelque chose d'assez énervé là. Je sais que ça devrait juste retourner l'erreur de type, ça devrait pas juste retourner false ou true. Voilà. Et donc ça, si dans JavaScript en 2023, ils ont toujours pas appris à le faire, bon bah. Après, c'est comme pour énormément de langages. Hein. T'es aussi obligé de gérer un historique, notamment pour la. Ah, c'est un choix de design carrément, quel enfer. Ah non, j'ai plus d'eau. Mince. Ouais, enfin bon, elle est quand même partie pour un sacré voyage. Tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'elle arrive au bout. Qu'elle démarre cette nouvelle aventure, ce serait cool. Mais en tout cas, ouais. Il y a quand même de quoi s'amuser beaucoup avec pas mal de langages. Et je suis sûr que ce genre de conneries, on est capable de le trouver dans plusieurs. Peut-être pas exactement pareil, mais. Ben, typiquement, c'est quoi là? Ouais. Ce genre de choses-là, voilà, on te dit que. Si tu dis que A et B sont les deux mêmes chaînes de caractères, et pourtant, quand tu cherches si A est égal à B, enfin si A est B, il va te dire que non. Donc il y a des trucs comme ça un peu. Ouais, bah c'est pour ça que là, il y a un dépôt Git. Hein. Tiens, je vous partageais le lien. Hein. Moi j'ai vu ça, j'ai découvert ça cette semaine. C'est via Twitter, je crois. Et comment? Et du coup, c'est le mec qui a carrément. Bon, il y a des choses qui sont valables que dans parfois des anciennes versions de Python, Python 3. Donc voilà.
Oh, j'ai mis 2 secondes à comprendre. Oui, via X, oui, oh, oui, ça s'appelle X maintenant. Ouf. Twitter. Regarde, moi, l'icône, elle est toujours. C'est toujours un oiseau bleu là. Et ah là, ils ont commencé à virer les mentions de Twitter ailleurs parce qu'on a dû leur mettre un peu trop d'éléments. Mais je suis à peu près sûr que si on cherche des choses là-dedans, bon, les domaines, c'est toujours TWIMG. Moi, c'est toujours Twitter.com. Donc ça progresse, mais bon, de toute façon, c'est toujours une catastrophe ce changement de marque. C'est quand même terrible. Pour les What the fuck Java, il y en a. Ah! Pour les wrappers d'intégrer de faible valeur. Intégrer A égale 1000, intégrer B égale 1000, A égale 1000. False. Ah! Ah oui, d'accord. Pas de faible valeur, c'est. Ok. Ah oui, on est sur du haut niveau là, c'est pareil. Je sais pas si. Le problème c'est que je vais chercher ça. Et je vais avoir que des trucs en Java. Java what the fuck 1. Ah, je sais pas, non, peut-être pas. C'est quoi ça? Transformer une liste en tableau, ouais, hériter de l'interface collection, d'accord, gna. Ouais, alors ça va un petit peu plus. Faut y aller fort quand même. Mais. Alors on a quoi? Une petite collection. Donc là, il y a d'autres trucs. Alors, un problème, c'est que là, si on sait pas lire le Java, je pense que. Je pense que ça va être compliqué. Ah non, ça c'est encore autre chose. Non, ça c'est juste pour les. Non, ça c'est juste le code pour en pour faire un. Pour générer du. Ouais. Pour générer du code HTML avec le code Java. C'est pas encore ça, mais bon, c'est. Je pense que j'imagine qu'il y en a. Bon, là, c'est du Java 9, mais c'est du vieux truc. Bon, puis après, comme d'habitude, hein, faut pas oublier. Si on va chez. Si on. Oh, c'est quoi ça? Alors voyons voir, je n'ai jamais lu de. D'accord. Ok, void split str de string. str.split de. Bon, alors là, bon courage. Je vois pas trop le. Non, bah là, ça a pas l'air si compliqué que ça. C'est juste que j'ai du mal à comprendre l'intérêt ou le format de ce truc-là. Mais bon. De ce que j'ai compris, là, tu crées un tableau qui s'appelle Split. Il n'y a pas retourné la longueur. C'est un format de regex, d'accord. Ah, d'accord, c'est le format du caractère qu'on va. Donc c'est splitté en fonction de un ou plusieurs espaces. D'accord, ok. Ouais, je vois le. Je vois la blague. Donc je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est quoi l'intérêt de ce code? Alors, du coup, si je fais ça, on va mettre. On va faire ça. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va créer un. Ça va sortir un truc comme 4. Non, c'est pas ça.
Génial, ça ne marche pas. Ah oui, mais là, en fait, le problème, c'est que voilà, c'est en fait, c'est là qu'il faut le changer. Oui, voilà, et là, on a le nombre de, donc c'est juste pour coller le nombre de mots. Ouais, d'accord. Bon, du coup, ça permet d'exécuter du code Java directement dans le navigateur aussi. Putain, la violence. Avec Java 17. D'accord. Oh, je vais garder ça dans un coin. Je vais garder ça dans un coin. Ouais, j'avais pas fait gaffe que là, la string vide, elle était poussée directement. Dans le truc. Ok. Bon. Ouais, j'avoue, je me garde ça. Ça peut être un peu rigolo. Bon, de toute façon, on doit y avoir une collection comme ça, des petits. Oui, ça veut dire que cette syntaxe-là te force le. Alors ça, c'est pour dire que c'est un tableau. Jusque-là, c'est pas compliqué. Parce qu'on a le même genre de formatage dans d'autres langages, même du bash, je crois. Et par contre, le fait de dire que dedans, il n'y a que du string. Ouais, j'avoue que c'est pas le truc le plus. Surtout qu'en plus, alors quand on fait du Python, ça peut être particulièrement trompeur, parce que par défaut, une chaîne de caractères peut être traitée comme un tableau. Voilà. Donc ça peut être un petit peu déroutant parce que. Bon, voilà. Non mais alors déjà de base, c'est pas forcément facile à comprendre, et encore que finalement on s'en sort assez rapidement. Tu regardes ça aussi, alors que tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir une bière dans la main, j'imagine que ça doit pas être la seule et ni la première, donc forcément ça aide pas non plus à lire à cette heure-ci. Parce que j'avais dit que ce serait cool et que je ferais peut-être pas longtemps, et il est déjà 11h moins le quart à discuter. Donc. Bah là, c'est ça, en fait, là, tu dis que ton tableau ne contiendra que des strings. Ça, c'est une des caractéristiques de Java qui fait que tu peux ne pas forcer. Voilà, Ah, forcément, le tableau, c'est forcément. D'accord, ok, sinon c'est un truc beaucoup plus générique. Ok. D'accord. Et du coup, tu as moyen de lui dire que tu peux avoir que des strings. Je note. Enfin, que des strings, que des nombres. Tu peux forcer le type de contenu dans un tableau. Ce qui est pas mal, du coup, hein, en termes de sécurité, ça permet quand même de se prémunir de pas mal de choses, hein. Ça permet de se prémunir de pas mal de choses. Ok. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. C'était très intéressant tout ça. Et en plus, ce soir, pas de problème de test de démonstration. Tout a marché du premier coup. Donc c'est un bonheur. Je vais pouvoir mettre des network policy partout dans mon cluster. Ça va être bien. Du coup, comme je l'ai dit. Les deux prochaines semaines, je suis pas chez moi, donc on n'a pas vu de 4OS tout casser. Ah ben pour une fois que ça marche du premier coup. Ah si, à un moment donné, j'ai cassé un truc, parce qu'au moment où j'ai appliqué la politique par défaut, mon Git ne marchait plus, donc j'ai dans un sens, je l'ai un peu cassé. Mais cette fois, je savais un peu plus où j'allais. Hein, je manipulais pas quelque chose que je ne connaissais pas. Typiquement, le coût de l'installation. le coût de l'installation de Calico qui prend par défaut le même range que la plupart des réseaux locaux.
Alors cette histoire de 192-168, elle est très valable en France, mais je ne sais pas si dans d'autres pays où les fournisseurs Internet fournissent des box aux clients ou même sur des routeurs du marché. Je ne sais pas dans quelle mesure le 192-168 est quelque chose de majoritaire qui fait que, qu'il aurait besoin d'être... qui fait que c'est ce... Après, il fallait... Dans le déploiement, ils ont décidé d'en mettre un par défaut. On n'avait pas le choix. Il fallait que ce soit un range privé, donc on avait le choix. C'était soit des 10 quelque chose, soit des 172 quelque chose, soit des 192-168. Il a fallu que ça tombe sur le 192-168, et comme on ne le savait pas, et ben forcément, ça a fait des surprises. Donc, je disais, le programme, ben là, ça va être 2 semaines de repos. Ah non, c'est pas vrai, parce que en fait, je travaille encore la semaine prochaine. C'est juste que vendredi soir, je pars en vacances et je rentre le samedi slash dimanche une semaine après, donc 9, 8, 9 jours là. Ce qui fait qu'il va y avoir 2 semaines sans live. Et au retour, je sais pas quoi faire. Au retour, je sais pas quoi faire. Est-ce que j'attaque directement ces histoires de Argo CD, drone ou Argo Flux CD? Ou est-ce que je... Est-ce qu'on se penche sur des sujets complètement différents, un petit peu plus haut niveau? Parce que là, c'est encore de l'infrastructure. J'aimerais bien quand même... On se fait un Argo CD. On se le fera peut-être, hein, parce que franchement, ça fait un bout de temps que ça me démange. Ça a même commencé à me démanger avant la réflexion autour de drone. Donc j'avoue que... Et du coup, ça, je vais pouvoir le foutre dans les archives. Hop. Allez, voilà. Et du coup, je pense que ce sera prioritaire sur pas mal de sujets. Et après, j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs, parce que là, on a fait, vu qu'on a perdu du temps avec ces histoires de configuration sur la mise à jour de Kubernetes et sur les installations qu'on voulait faire par-dessus. Je voulais varier un petit peu les plaisirs et je voulais remonter un petit peu au niveau des applications elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence un peu, bon, même si Argo ça va être quelque chose, mais je voulais quelque chose d'un, qui pourrait parler un petit peu plus à des... pour de l'usage au quotidien, typiquement dans la prolongation, et même si c'est, comme c'est quelque chose que je veux installer, dans la prolongation de l'analyse des mots de passe qu'il faudra que je fasse aussi. Quand je me déciderai à aller décompresser cette satanée archive de 90 gigaoctets, là. Après les histoires des analyses de password, j'aimerais essayer de... J'aimerais tester l'alternative. J'ai noté Plain, un genre de Jira. Non mais... Pitié. Alors, si c'est plus léger que ça s'héberge, dans les alternatives à Jira qu'on pouvait héberger soi-même, j'avais noté Taiga, qu'on avait utilisé pendant un temps entre 2019 et 2020 notamment. C'était Omega qui nous avait poussé ce truc-là. Et donc ça permet de créer, de faire les classiques du... Les classiques du Scrum avec les user stories, les... Faut pas l'écouter. Ah non, mais on a fait plus que l'écouter, c'est-à-dire que... Alors, on l'a pas installé nous-mêmes, parce que personne ne voulait le gérer, mais du coup, on était directement sur la version hébergée de Taiga, et, comment, et on sait, et on a eu des comptes, etc. Ça a tenu un temps jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on finisse par se faire rattraper, parce qu'on nous a dit que ça coûtait trop cher. Et du coup, alors GitLab le fait. Faut avoir un GitLab. Personnellement, comme moi, c'est un Giti qui est 50 fois plus léger qu'un GitLab. Parce qu'il y a 20 fois moins de fonctionnalités aussi, faut pas être, faut être honnête. Il y a des issues. C'est vachement axé code. Oui, bah, en soi. Après, n'importe quel outil de gestion un peu comme ça, de tâches, slash, slash, history, etc.,
permet, enfin, va être intéressant, peut être intéressant. Ce qui va aussi être intéressant, ça va être la partie raccordement à d'autres outils. C'est pour ça que des solutions intégrées comme GitLab, qui a sa gestion de projet avec les issues, qui va être couplé derrière au merge request et donc à tout ce qui concerne pipeline, code, etc. C'est qu'on a une visibilité bout en bout de l'activité de son projet, de la déclaration d'un bug ou de l'identification d'un nouveau besoin, à son intégration dans le code, à son déploiement et après à sa fusion, donc à sa mise à disposition aux utilisateurs de l'application. C'est quelque chose qui fait. C'est bien, c'est super intégré. Pourquoi pas? Il y a Azure DevOps qui fait la même chose. Bon, là, faut accepter d'aller faire une gorge profonde à Microsoft parce que c'est pas donné. Puis faut qu'ils apprennent à changer de vocabulaire parce qu'ils savent pas nommer leurs outils, c'est une catastrophe. L'outil lui-même, Azure DevOps, c'est le bon nom, mais à l'intérieur, il y a des sections. Ils ont deux systèmes de pipeline différents dans Azure DevOps. Il y en a un qui s'appelle pipeline et un autre qui s'appelle release. Et les deux, c'est des pipelines pour faire des choses. Il y en a un qui est plus orienté pour construire, donc les pipelines, c'est plutôt orienté build, même si derrière tout le monde fait son truc dedans. Et le release, c'est plutôt pour faire le packaging, voire le déploiement de l'application. Mais dans la pratique, il n'y a rien qui empêche de tout faire avec la ligne pipeline, et du coup, la plupart du temps, c'est les usages que je vois. Donc la section release, elle sert à rien. Parce qu'on considère qu'elle fait doublon avec la partie pipeline qui permet déjà de tout faire. Voilà. C'est Microsoft. Et c'est con parce que je suis à peu près sûr que les deux outils sont très complémentaires et que ce serait plus adapté dans certains types de. Dans certaines topologies de projet de se servir des deux, mais. Soumis au vote. Ah. Mais il faut. Ouais. Alors, si on se sert des outils intégrés aux réseaux sociaux pour faire des votes, 2, 3, 4 choix, ça pourrait le faire. Comment? Merde, j'ai fermé l'onglet. Hop. Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Non plus. Non. J'ai perdu l'onglet où on faisait le. D'accord, j'ai trouvé le moyen de perdre le. D'accord. Bon, je suis bon, je suis bon. Hein. Ah voilà, il est là. Donc ouais, si je me sers des outils intégrés aux réseaux sociaux, il y a moyen, parce qu'on peut avoir que 3 ou 4 choix pour faire un sondage. Et je le ferai à la fois sur X et Mastodon. Après, il y a aussi alors, comme c'est pas du tout à jour, il va falloir. Faudrait que j'arrive à me dédier dimanche matin et que je rattrape tout ça. Mais il faut que je rattrape les publications des replays sur YouTube parce que c'est une catastrophe. J'ai 3 semaines de retard, c'est affreux. Et le problème, c'est que chaque live pèse 6 ou 7 gigas. En plus, c'est super long à traiter. Enfin. Ah, c'est. Faut vraiment que je me sorte les doigts. Et en fait, sur YouTube, il y a aussi la partie communauté où, dans laquelle on pourrait faire un sondage en plus. Mais comme sur YouTube, voilà, ça sert pas à grand-chose, je pense que je le ferai pas. Je le ferai plutôt Twitter et Mastodon, et puis on verra ce que ça dit. J'avoue que. Alors, le caractère UTF-8 à la main ou copier-coller? Moi, clairement, je ferai le copier-coller. Hein. Gros flemmard, je chercherai pas à taper le Alt U 0 180 machin. Oui, voilà, copier-coller, je m'en doutais. Ça, c'est. Oui, voilà, on va taper ça au clavier, je sais même pas si c'est.
Je sais pas si. Est-ce que j'arriverai. On arriverait à le. Parce qu'à une époque, on était censé quoi. Oui, je sais qu'il y a une mise à jour. Je la ferai plus tard. C'est quoi? C'est Alt. Oui, non. Donc ça va pas marcher là-dedans. Je sais même plus comment on fait. C'est Alt chiffre ou juste Alt pour. Ouais, non, ça marche pas cette histoire. Oui, et puis le problème, c'est que dans Sublime, en fait, j'ai le. Alors, du coup, il faudrait faire ça. Oula. Alors, vous l'avez pas eu, mais moi, je me suis fait. C'est de la merde. Non, c'est à une époque où on avait un raccourci clavier qui permettait de taper des codes. Bon, c'est CTRL ALT. Non. Non, non, c'est pas ça. Bon, bah, je sais plus. Enfin bref, c'est pas. On est tous sur un site de X. Si seulement, il y a plein de gens qui seraient peinards avec ça. Si on était sur un site de X. Mais c'est un autre débat. Sur ce, je vais vous laisser là. En tout cas, c'était encore très bonne soirée, très intéressante. Je vous remercie d'avoir encore répondu à l'appel. C'était très sympa de votre part. Si, comme moi, vous avez quelques vacances avant la rentrée que vous n'avez pas encore pris et que ça arrivera pendant mon absence, je vous souhaite de bonnes vacances. Et donc, on se retrouve, sauf cas contraire, donc on a dit le 25, avec entre-temps du sondage, du rattrapage sur YouTube. Parce qu'en plus, il faut que je colle les morceaux des semaines dernières où on a planté à chaque fois, ça m'a gavé. Pour un sujet donc qui sera déterminé, on se fera une petite rentrée. Et d'ici là, bah plus près, bon week-end. Après tout, on est vendredi soir. Et à plus tard sur les internets. Ciao, ciao!